domine ce championnat-là de la tête et des épaules. Maintenant, ce que je leur souhaite, c'est d'aller le plus loin possible en Champions League parce que c'est là où on les attend le plus. C'était la première fois pour ma part d'être sur la pelouse du Parc des Princes devant autant de personnes. Donc c'est un plaisir et une fierté et je suis contente d'avoir pu partager ce moment avec toutes les filles. Ça fait vraiment chaud au cœur. Moi j'ai tourné la page déjà il y a un petit moment, mais d'avoir ce petit moment privilégié avec les supporters, ma famille, mes proches, c'était important pour clôturer toutes ces belles années au Paris Saint-Germain. Ça a marqué ma vie, ça m'a marqué aussi en tant que femme. J'ai grandi ici avec ce club et je suis super fière en fait d'être toujours restée ici et avec toutes les valeurs rouge et bleu. J'ai jamais fait de coup d'envoi de toute ma vie, forcément. Je vais juste kiffer jusqu'à la dernière minute et prendre ce qu'il y a à prendre. Mbappé! Oh, la frappe enroulée de Kylian Mbappé, il ne s'arrête plus. Il cherche inlassablement à sortir Neymar avec Mbappé. La frappe de Neymar! Et le deuxième but! Après Kylian Mbappé, Neymar, les artistes sont de sortie ce soir au parc. La patience aura fini par payer. Le break est fait. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et le record est plus que jamais en vue. Incroyable, vraiment incroyable. Et la façon aujourd'hui était magnifique, magnifique. Je suis heureux que c'était non pas encore un 2-2 parce que c'était complètement mérité que nous avons gagné et les façons étaient vraiment magnifiques. Quand on joue avec un pressing haut, avec structure, avec un team effort comme aujourd'hui, tu as la possibilité de faire une transition parce que tu gagnes des ballons et je pense que nous sommes prêts pour Naples. Abonne-toi au canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscrivez-vous au canal de YouTube Paris Saint-Germain.